Cette charcuterie n'achète jamais rien, mais elle fait beaucoup d'affaires tous les jours. Parce qu'ils ne vendent pas de porc, mais de la chair humaine grasse et maigre. Depuis qu'ils y ont pris goût, ils sont devenus fous. Dès qu'ils voient une opportunité, ils ne laissent personne partir. Même si le prix de la viande ne cesse d'augmenter, il y a toujours une longue file d'attente à la porte chaque jour. Un magasin de viande de porc sur le point de fermer a été complètement relancé par eux. Ce jour-là, le couple est venu camper. Un végétarien s'est précipité vers eux et leur a dit qu'il voulait travailler ici, et que l'odeur de vos saucisses grillées souillait la nature. Le couple a ri sur le coup et s'est approché pour l'abattre pendant qu'il s'entraînait. Afin de trouver d'autres porcs iraniens, le couple est venu à la fête végétarienne. Les yeux de Vincent se sont éteints à la vue de la graisse sur le ventre de l'autre homme. L'ingrédient parfait. Mais en y réfléchissant bien, il a senti que quelque chose n'allait pas et s'est détourné précipitamment. De retour à la maison, sa femme lui a demandé ce qui n'allait pas, et Vincent a répondu.